Les codes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. Salut les amis, quelle soirée on vient de vivre et elle continue cette soirée avec le débrief du Match entre l'Olympique de Marseille et Benfica, quart de finale, retour de la Ligue Europa. On va en parler ensemble, bien sûr, avec un plateau comme d'habitude de rêve. Mon premier va louper la montée du Red Star en Ligue 2 demain soir pour aller voir le spectacle de Walidia. Je veux bien sûr parler de Yanis Yemi. Salut Yanis. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'avoir spoilé ma soirée de demain soir. Effectivement, euh, il voilà, n'y a pas que le foot dans la vie. Tu peux encore changer. Hein. Je ne pas encore changer, mais bon, c'est vrai que je m'étais engagé. Euh... À aller rigoler plutôt que d'aller fêter une montée euh, que je ne savais pas euh, qu'elle pouvait avoir lieu demain. Mais ça va très très bien. Euh, une, une soirée mouvementée euh, footballistique euh, et longue avec des tirs au but. Et euh, je suis en pleine forme. J'ai vu que dans le chat aussi beaucoup de personnes étaient. Euh, très heureux et en pleine forme également et on a un ami qui est en pleine forme qui est au stade ce soir euh, vous savez bien Thomas Bonavent si vous voulez vous pourrez voir ses stories euh, il, il est nu actuellement il est nu sur il sa story et il est en train de poser une pêche stade. dans le stade voilà, si, y a, euh, ah. si vous voyez quelqu'un se faire embarquer pour attentat à la pudeur c'est lui c'est Thomas ce ah. serait pas mal de faire un duplex d'ailleurs avec Thomas euh, bien sûr en... actuellement au vélodrome bah, on a envie de voir dans quel, quel état il est hein, euh, l'articulation surtout l'articulation ouais. je pense de... qu'il peut même y avoir une odeur qui peut traverser c'est l'écran. <laughs> Ça peut être dangereux. À côté de Yanis, vous l'avez vu, l'a noyé sa peine depuis hier. Le pauvre en plus a passé son week-end du côté de Liverpool. C'est bien sûr Naji Medini qui est avec nous. <laughs> Salut Naji. Salut Manu. Salut à tous. Salut au winami Très content d'être là. Effectivement. Élimination d'Arsenal. Bon, en Ligue des Champions, je m'y attendais plus ou moins. Ouais. En championnat, un petit peu moins. Mais bon, on va essayer de s'accrocher encore à, à l'espoir qui existe en Première Ligue. Exactement. Et puis on a eu un beau match en plus ce soir. T'as raison, t'as raison. C'est On cool. a eu des, des émotions, on va en parler bien sûr dans quelques instants. Avec mon troisième aujourd'hui, plateau inédit, il faut le dire. Aussi inédit qu'une composition de l'Olympique de Marseille en quart de finale retour de la Ligue Europa. Il avait été dur justement avec l'OM à l'aller à juste titre. A-t-il été convaincu ce soir Rien n'est moins sûr. Monsieur Tidiani Embo est avec nous. Salut Tid. Salut Manu, salut Yannis, salut Najim, salut tout le monde. Bah oui, écoute, Très content d'avoir de, un deuxième représentant français en, en demi-finale d'une Coupe d'Europe. À peu de choses près, ça aurait pu faire trois, mais ça aurait aussi pu faire un. Donc euh, voilà, puisque comme vous le savez tous, bien évidemment, c'est la loterie hein, qui a décidé des deux destins de nos deux équipes françaises aujourd'hui. Mais voilà, ça fait un sur deux. Bon écoute, on aurait aimé plus, mais on va se contenter de, de ce qu'on a et on est, on est très content. Euh, voilà, pour le, pour le football français, de retrouver un petit peu de... De sourire. Exactement. On va faire une spéciale OM Benfica. Je sais que demain, dans la quotidienne du WFC, je vais y arriver. On reviendra sur l'élimination, bien sûr, du, du LOSC, bien plus en détail. On regarde tout de suite, justement, le sommaire qui nous attend pour ce moment ensemble. Le débrief, le match en un mot, vous avez l'habitude. La qualif au bout du suspense, au tir au but pour l'Olympique de Marseille. Ça a été douloureux. On va revenir, bien sûr, sur la physionomie de ce match. Et on parlera aussi, également dans un deuxième temps, des choix du roi Jean-Louis Gasset, euh, qui avait euh, des choix à faire. Peu de solutions. Notamment sur le banc et sur sa composition d'équipe, on aura l'occasion d'y revenir. Et puis on se projettera aussi également sur le prochain adversaire de l'Olympique de Marseille, désormais qualifié <coughs> en demi-finale de cette Ligue Europa. Place à la Talanta Bergame. Est-ce que l'OM a une chance On essaiera à chaud, bien sûr, de se projeter. Le petit pouce en l'air, comme d'habitude. Le follow aussi également, les amis, pour donner de la force au WFC et à Winamax. Petit jingle et on parle tout de suite justement de ce match la qualification de l'Olympique de Marseille en demi de Ligue Europa. Et on commence. Ah mais Juste, comme... hey, juste ce plateau-là quand même. Faut... Ouais, C'est fou. C'est fou. Hein. fou. Que ce plateau, je pense qu'il est inédit, mais pour la vie en fait. Ouais. Pour la vie. Je pense que ce plateau-là, tous les quatre là, ouais. on l'oubliera jamais, ah, jamais. On l'oubliera jamais. Je suis à doigts de ne pas vouloir faire une émission <laughs> foot. J'ai envie de faire un jeu. Tu <laughs> vois ce que je veux dire <laughs> Un petit quiz tranquille. Les gars, comme d'habitude, on commence un débrief avec le match en un mot. Quel est votre mot Quel mot qui a retenu votre attention, qui vous est resté dans la tête tout au long des 120 minutes qu'on vient de vivre Tu veux commencer Che, 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 le bah, écoute, moi, je, vais, je vais mettre en avant ce soir l'abnégation mmh. de, de l'OM pour aller chercher cette qualif. Cette Alors, évidemment, on le sait, ce n'est pas l'équipe la plus talentueuse de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et même sur cette double confrontation, globalement, on n'a pas vu une équipe capable de surpasser toujours ses lacunes techniques. Mais ils ont compensé ça avec de l'abnégation. Et c'est justement moi ce que j'attendais. Euh, notamment au match aller où je trouve que pendant les 60-70 premières minutes, bah, dans l'attitude ils en avaient pas mis assez et que finalement ils s'étaient fait euh, un petit peu euh, balader par une équipe de, de Benfica qui n'était pas euh, tant au dessus que ça. Donc euh, voilà, moi aujourd'hui euh, j'ai envie de saluer euh, l'OM qui, qui a mis les tripes sur le terrain, euh, qui a essayé de voilà de faire oublier justement ces, ces limites là, ce plafond là. Et je suis partagé entre l'idée que cette équipe, elle pouvait euh, euh, difficilement proposer plus parce que c'est cette, euh, cette réalité euh, qui est la sienne et euh, la, la, la satisfaction de juste regarder le résultat et de me dire que, ben. L'essentiel, c'est d'être en demi. Donc euh, voilà, moi, je retiens l'abnégation de l'OM ce soir. L'abnégation pour, euh, pour Tid, les gars, euh, quel est votre mot pour ce soir ça, ça, ça rejoint un petit peu celui de Tidiani, mais moi, c'est tempérament. Mm -hmm. J'ai aimé, euh, pareil, le, le tempérament qu'a montré cette équipe, à la fois collectivement, parce que j'ai trouvé que collectivement, l'Olympique de Marseille avait montré des vertus qu'elle euh, qu ne montre pas forcément à tous les matchs, mais aussi individuellement, avec des joueurs qui ont su montrer du courage, de l'abnégation, du tempérament. Je pense à Paolo Lopez qui a été extraordinaire dans ses buts. Je pense à l'entrée de certains joueurs, on y reviendra, mais notamment Luis Enrique qui, je trouve, a fait une superbe entrée. Ounaï également, qui est sorti assez tôt dans la rencontre, enfin assez tôt vu que le match a duré 120 minutes, mais, mais qui, qui, qui j'ai trouvé, a, a réalisé également un, un bon match. Et puis même le fait aussi de jouer à domicile, le fait d'être soutenu par tout un public. Tu sais, quand tu joues à domicile, c'est à double tranchant. Tu peux soit être paralysé. Par l'enjeu, par la pression qui t'est mise sur les épaules, soit ça peut te transfigurer. Et j'ai la sensation que ça a plutôt été la deuxième option, parce que le visage qu'a montré l'Olympique de Marseille était bien meilleur que celui à, à, à l'aller. Et puis, il faut aussi rappeler que l'Olympique de Marseille était sur cinq défaites consécutives. Et donc, c'est assez rassurant de, de voir que l'Olympique de Marseille a été capable de montrer cette, cette prestation-là. Yes. Moi, je vais aller sur... C'est le mec qui reprend les mêmes mots. Je, vais... je vais aller sur mental. Euh, on va rester dans le même champ lexical que, que les deux compatriotes parce que je pense qu'on a vu à peu près le même match. C'est-à-dire que c'était un match qui pouvait effectivement être sans surprise vu comme poussif. Je trouve que le niveau, on en parlait, le niveau technique général n'était pas très élevé et des deux côtés. Hein. Mais c'est pas toujours euh... ce qui fait la différence en Coupe d'Europe, même et si ça surtout, aide beaucoup. Et surtout, ce n'était pas de toute façon ce soir sur une équipe malade euh, de l'Olympique de Marseille. C'était pas la chose qu'on qu imaginait être, être la différence sur une équipe malade. Et en plus, qu'on va les sur pas mal d'aspects athlétiques et physiques. Euh, donc, l'OM au mental a été chercher ce but égalisateur. D'ailleurs, d'abord dans, pro... dans un premier temps, on en parlera sur une période où l'OM a enfin augmenté le... le degré du match. Et ensuite au mental, parce qu'une séance de tir au but, il y a un aspect psychologique très très fort. Au mental, l'OM a été chercher la séance de tir au but. J'ai vu la stat euh, dans le chat, je crois, c'est la première séance de tir au but gagnée par l... un club ou une sélection française depuis 2017. C'était lyon à Bechictas. Donc, euh, donc ça fait longtemps. Et euh, Paul Lopez a été décisif. Donc euh, voilà, c'est le mental marseillais qui a permis à cette équipe en difficulté de sortir de, de ce quart et d'être en demi-finale. Mais justement, par rapport à ce qui a été évoqué euh, sur euh, l'apport du public, parce que y a, y a, y a, y a, les gens ne sont pas toujours d'accord là-dessus. Il y a ceux qui disent que ça joue beaucoup, que ça peut te transcender une équipe, que ça peut aussi en, en, comment dire, en, en paralyser une autre. Et il y a ceux qui disent que enfin, c'est finalement un impact assez marginal parce qu'à ce niveau-là, c'est des professionnels et qu'ils intègrent en fait cette donnée-là. Et moi, par rapport à, le, à ce que je dis sur la notion de, de mental et d'abnégation, je comprends un petit peu mieux ce systématisme de la part de Jean-Louis Gasset et également des joueurs à systématiquement invoquer le public comme ils l'ont fait régulièrement depuis quelques mois parce que finalement, tu te rends compte que... Au regard du match de ce soir, ils avaient besoin de ça pour se sublimer et pour justement compenser toutes ces lacunes qu'ils ont par ailleurs qui sont des lacunes techniques, qui sont des lacunes tactiques, qui sont des lacunes par rapport à des absents aussi parce que quand tu regardes avec quelle équipe finit l'OM ce match, c'est fou. Les jeunes qui les rentrent pour exactement. voilà les minos, les, les, les minots qui rentrent pour finir. Bien enfin, sûr. Voilà, il y a une réalité qui est quand même très précaire à l'OM par rapport à la vérité de la saison et d'arriver finalement à, 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 à puiser cette énergie là moi, je trouvais ça un petit peu too much de remettre ça systématiquement sur la table parce qu'à un moment donné, il faut que ça se joue avec les pieds et avec ce que tu mets dans le rapport de force. Mais je trouve que ça prend du sens quand même ce soir parce que dans le contenu, bah, c'est un match à l'énergie, à l'attitude, à l'envie. C'est grâce à ça que l'OM... Si l'OM en avait mis un tout petit peu moins, 10% de moins, 15% de moins, bah, ça, ça leur aurait peut-être pas souri. il n'y a pas que ça dans le sens où il y a eu aussi, je trouve, des choix... Euh, le fait par exemple de jouer le match en 3-5-2, un système qui a pas toujours été utilisé par l'Olympique de Marseille, mettre Aminarite au poste de piston droit, euh, tenter une attaque à deux avec Pierre-Emerick Aubameyang et Didiman Ndiaye, je pense que ce sont aussi des choix qu'il qu faut aussi quand même mettre un petit peu en valeur et ce que j'ai aimé au-delà de ces choix-là, c'est L'ambition qu'avait l'Olympique de Marseille dès le début du match, d'être protagoniste. Mmh. C'est-à-dire qu'on a vu dès le début du match une équipe de l'Olympique de Marseille qui a essayé de presser assez haut dans le camp adverse, une équipe qui a essayé de récupérer les ballons assez haut, qui a essayé d'avoir la main mise sur le match, qui a essayé d'avoir la possession de balle. On n'a pas eu une équipe passive. Et ça mine de rien, c'est aussi à mettre au crédit quand même de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Même si j'ai eu la sensation qu'on on a eu une équipe de Marseille qui a su très bien improviser. Pourquoi je dis improviser Parce que je le rappelle, Marseille était sur cinq défaites de suite. Et justement, le système de jeu qui a été utilisé, la méthodologie, le fil conducteur qu'on a vu sur ces 120 minutes de jeu, c'est un fil conducteur qu'on n'a pas forcément souvent vu cette saison. Et c'est pour ça que j'ai la sensation que l'OM a improvisé mais qu'elle a su improviser et que ça leur a permis d'aller décrocher cette qualification. Et par rapport à l'ambiance, on a déjà un, un premier message que je, vous, que je vous partage, les gars. Je ne sais pas si, si notre ami était justement sur place ou pas. Alors attends, hop, mon doigt n'avait pas fonctionné. C'est euh, ne euh, Nekegouir qui nous dit ça, c'est euh, un gros plus des matchs de Coupe d'Europe au VEL Quand c'est chaud, ça pousse tellement, ça peut donner un côté irrationnel aussi hein, à cette saison assez compliquée du côté de l'Olympique de Marseille. On va débriefer justement ce match, cette qualification au bout du suspense. Les gars, le. Un des premiers enseignements qu'on pourrait peut-être tirer sur cette qualif, on savait que le Benfica avait un niveau technique au-dessus de cette équipe de l'Olympique de Marseille, que le Benfica est une équipe un petit peu malade. Même s'ils ne l'ont pas toujours montré. Hein. Ils ne l'ont pas montré. sans Oui, tu as raison, ils l'ont sans doute montré, montré sur montré 75 sur tout 15 minutes. Match aller voilà, exactement. Voilà. Sur match notamment la première mi-temps avec les deux buts. Mm -hmm. Mais ce soir, euh, ils sont décevants aussi. Hein. Exactement. Euh, Est-ce que justement l'OM a eu raison d'insister sur le côté un petit peu valeur, sur le, le côté un petit peu combat pour aller chercher justement cette qualification C'est une condition sine qua non de leur non. qualification. Non. Parce que c'est pas raison, c'est aussi que l'OM est aussi <laughs> sur, face à ses limites du moment. Euh, tu l'as dit, c'est une équipe malade. C'est 5 défaites de suite, c'est ça, toutes compétitions confondues auparavant. Cinq défaites de suite, toute, oh, compétition toute compétition confondues auparavant, des difficultés grandissantes dans le jeu et beaucoup d'absence ou plutôt de convalescence puisque des joueurs ont joué blessés. Donc une équipe qui est face à ses limites et face à ses limites, tu dois l'épuiser sur d'autres euh, ressources, sur d'autres valeurs, sur d'autres euh, capacités. Euh, le commentaire du chat le dit bien quand tu as domicile en plus au Vélodrome, tu as cette capacité normalement aussi à, te pou à être poussé par le public et par Thomas Bonavent. Donc au final, <laughs> sur, quand, quand tu joues, un, quand tu joues. Un un Match comme ça, et, et, et Najim l'a dit sur le début de match, c'était je pense qu'il voulait imprimer, c'est-à-dire qu'il voulait emmener le public avec eux. Euh, et emmener le public, pour emmener le public avec toi sur un match retour où tu as un but de retard, tu ne le fais pas en étant attentiste. Tu dois aller chercher, tu dois aller presser, tu dois aller mettre du rythme euh, avec tout le déchet technique que ça va comporter. Parce que l'équipe, euh, plus tu essaies de mettre du rythme, plus techniquement il faut être propre et donc plus c'est difficile. Mais euh, il faut aller essayer d'aller amener ce public avec toi parce que si le match tu l'emmènes dans un faux rythme, tu laisses Benfica garder le ballon. Parce que il est vrai que Benfica, et on va peut-être revenir plus tard sur eux, Benfica est une équipe malade qui n'est pas qui ne fait pas une bonne saison du tout et on l'a vu aujourd'hui mais par contre il est vrai aussi que Benfica a des joueurs d'une bonne valeur technique si tu leur laisses avoir le ballon et puis ils ont une ossature alors le choix l'OM l'ossature quand tu regardes là bac qui sort encore à la 45 après j'ai une ossature jeune quand même Anto oui. Antonio Silva, euh, Neves. Léves, oui, mais ça reste quand même euh, des joueurs qui, des joueurs, pour euh, certains, étaient déjà là l'an dernier et te forment quand même une espèce de, de petite colonne. Quand tu Florentino. regardes Rafa, Rafa Silva, euh, Di Maria, euh, comment il s'appelle, le petit Joao Neves, qui est, qui est quand même pas mal, Florentino qui qu Luis qui était là aussi. Bon, t'as Otam les deux de la charnière. Oui, oui, non, mais il a... Bon, après, et oui, et puis, pas, y a, pas y a, une bonne saison. Et puis, il y a une valeur technique individuelle qui est quand même présente chez la plupart des joueurs. Euh, donc, il, donc, il fallait il fallait aller les chercher il fallait, les, il fallait mettre du rythme tu l'as dit de l'abnégation plein de valeurs qui sont ailleurs que techniquement alors on aurait tous préféré que techniquement ils soient meilleurs eux les premiers mais c'est quelque chose de difficile comme ça c'est pas quelque chose que tu trouves comme ça si tu es en difficulté si tu es en manque de confiance euh, on va revenir sur le fil du match mais moi je trouve que par exemple la première heure de jeu L'OM, effectivement, est actif dans son pressing, essaye d'être haut, mais l'OM est trop limité. La, la, la passe, le choix est, est souvent dernier mauvais. L'avant-dernier, mmh. même, la passe mmh. qui peut faire le décalage, le, le choix est souvent mauvais. Et à un moment, il euh, y a eu des changements qui ont permis, et on va en parler plus tard, qui ont permis d'avoir plus de poids devant, qui ont permis de mettre plus de ballons devant, et qui, pour moi, ont, ont permis d'avoir ce gros temps fort qui, qui a amené le but. Mais pendant longtemps, on a pensé que le, ce fameux manque de méthode qu'il y a à l'OM pour produire du jeu allait, en fait, le. Euh, le rend stérile jusqu'au mmh. bout du match mmh. c'est-à-dire que moi pendant un long moment j'ai cru revivre Feyenoord un peu vrai. avec une équipe qui doit remonter un désavantage au score joue euh, dans la partie de <coughs> terrain adverse essaye avec de l'allant avec une attitude positive où tu sens qu'ils sont conquérants de faire la différence mais après, il faut de la méthode, surtout quand tu joues face à une équipe qui est très regroupée, qui, est, qui a quand même un minimum d'expérience pour jouer des matchs de haut niveau, même s'ils ne sont pas dans, dans une saison très flamboyante, ils ont quand même des réflexes. Je veux dire, pas, tu n'as pas joué non plus euh, euh, le 18e du championnat quand grec, hein. tu as, as, as joué un petit Benfica, mais tu as joué quand même Benfica. Ça joue sur une séance de tir au but. Ne faisons pas comme s'il y avait eu non plus un écart incommensurable entre les deux équipes. Donc oui, ce manque de méthode, mais qui est... La conséquence en fait, de ce qu'est la saison de l'OM. Parce que les changements de coach, les atermoiements tactiques, les joueurs qui partent, qui reviennent, et quand je parle de départ et d'arrivée, je parle au niveau des transferts et au niveau des blessés. Mais en fait, cette précarité que tu as traînée toute la saison, à un moment, tu vois, quand tu arrives sur ces tours de, de, de Coupe d'Europe, c'est censé être plus ou moins rédhibitoire. C'est pour ça que c'est très fort du côté de l'OM ce soir, avec l'attitude notamment, avec l'énergie qu'ils ont mis, il faut voir dans quel état finissent les joueurs à l'image de Vertu, d'avoir réussi à compenser ça. Les mais gars, vrai que... petite pause parce que j'ai une surprise. Ah. On part directement au Vélodrome. Ah. On part directement au Vélodrome. On a une surprise, un, un invité fou. de choix, un invité de Je Me Marc. demande qui ça peut être. Un témoin privilégié, Monsieur Thomas Bonavent. Oh, il est beau ah, le maillot. Ah, il s'est habillé. Il s'est habillé. c'est du Gary là, c'est pas. Comment il va, mon Thomas On l'entend pas. On hein. pas nous entend. On n'a pas, pas. pas le son. <laughs> mais on n'a pas le son. On n'a pas le son. Mais on, devine. <laughs> Censuré, Censuré par les Youtube voilà. games. Ah, là, on l'entend. C'est quoi les émotions, émotion, mon Thomas Ah, c'était pas beau. <rire> <rire> ah, c'était moche. Comment t'as vécu ce match, Thomas Raconte-nous un petit peu. Au bout du suspense, on rappelle ah, vélo que t'étais au Vélodrome ce soir. Au Vélodrome, assis. Uh, il est chiant. De ma... Vraiment, il y a eu très peu de pétite ce soir Ouais. Ah, on comprend pas grand-chose. Ouais. Ouais. Si on va ça... dire. Je suis d'accord de... avec toi. C'est pas, de... pas de... un problème de connexion, voilà. un problème d'articulation, <laughs> Thomas, <laughs> sur nous Non, mais je pense, comme on dit, le, 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 réseau, le, le réseau doit être quand même saturé Allez, là où les, il est. Si ça marche pas, c'est pas grave. Bravo, moi, Thomas, en Et tout cas. Et bien, surtout, qu'il bon, bien. Voilà, on On te retrouve, on te retrouve le plus rapidement possible. Profite. Je suis très heureux. Thomas, comme vous l'avez dit, était habillé. Il avait un maillot en plus iconique. Bah, Personne lui est tout nu, par contre. On a eu voilà, une preuve un de point. vie, c'est le principal. Ouais, c'est exactement ah, ce ça. Voulait. Il reviendra. Ah, il fera des nôtres. Non, bientôt. mais il est encore en liberté. Ça, c'était ah, oui, C'est le plus important. <laughs> Excusez-moi, les gars, je vous avais coupé, bien sûr, sur ce premier. Ah, non, mais pour la. t'avais raison. Vous n'allez pas le faire attendre. On regarde les stats. On regarde les stats très rapidement, bien sûr, à l'issue de cette rencontre. Najim, je ne t'ai pas donné la parole. On peut le dire, calif mérité de, de l'Olympique de Marseille. Sur l'ensemble des deux matchs, d'ailleurs, c'est ton avis ou pas Le premier match, j'ai trouvé quand même que Benfica avait une, une petite avance par rapport à l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, j'ai trouvé que l'OM était au-dessus sur une bonne partie du match, même si j'ai quand même eu la sensation que ça s'est un petit peu plus rééquilibré, notamment sur la prolongation où Benfica a su se procurer de grosses occasions. Et heureusement, encore une fois, qu'il y avait un Paolo Lopez. Bien inspiré, qui a su sauver l'OM à plusieurs reprises. Donc j'ai trouvé que ça s'est un petit peu rééquilibré. Même si voilà, je donne un léger avantage à Benfica sur le match aller et je donne un léger avantage à l'Olympique de Marseille sur le match le retour. c'est logique. Voilà, <laughs> donc je trouve que ça a été, ouais, finalement, une séance de tir au but plutôt logique. Mais moi, j'ai vécu le match un peu différemment par rapport à Tidiani. C'est qu'en début de rencontre, j'étais plutôt optimiste parce que quand j'ai vu, en fait, les initiatives prises par Marseille, le fait qu'ils essayent d'aller chercher Benfica assez haut, qu'ils arrivent à avoir le ballon, que, que l'OM, alors certes l'OM n'arrivait pas à se procurer des occasions, mais il n'en concédait pas beaucoup également vrai, au début non, de match. Ah, tu as, as une contre-attaque de Rafa Sylvain à un moment. Il y en a eu quelques-unes. Voilà. bien évidemment, Mais il y en a quelques-unes. Il n'y en a eu un. pas grand chose. Ouais. Il y en a une au bout de 3 minutes. Et, et finalement, c'est vrai que quand on arrive vers la 50e minute de jeu, 60e minute de jeu, qu'il n'y a toujours pas de but, bah là tu commences à te poser des questions et tu commences à te dire est-ce que l'OM va être capable de marquer parce qu'effectivement, il y avait ce, 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 ce déchet technique un petit peu qui était qui semblait rédhibitoire et au final, bah, il a fallu ce but pour permettre à l'Olympique de Marseille de revenir, il a fallu également les changements de Gasset, ça ça a redonné un, un, un second souffle à cette équipe. On a eu une équipe de l'Olympique de Marseille qui a connu un, un sacré temps fort, qui à ce moment-là aurait même pu en rajouter un deuxième. Et au final, comme je l'ai expliqué, les débats se sont un petit peu plus rééquilibrés sur la prolongation. Et ensuite, je trouve que... C'était assez logique qu'on se retrouve dans une séance de tir au but et puis sur la séance de tir au but, on a une équipe de l'Olympique de Marseille qui a su mieux gérer cette séance avec un Paolo Lopez qui a su rentrer dans la tête de ses adversaires, ouais. et une qualité technique également qui a été au rendez-vous du côté des Marseillais. Il y a une stat, les gars, pour parler un okay. petit peu de, de Benfica, l'adversaire du soir de l'Olympique de Marseille. Regardez cette stat qui fait peur Benfica inoffensive, zéro tir cadré en 73 minutes. Ah bah tu vois. Et le premier corner qui, a, qui intervient ouais. là, à la 413e, c'est le, le double tiers cadré, le premier, Le double arrêt, oui, tout à fait. Y en a, y a, y a, y a... C'est Di Maria et Rafa Silva ouais. sur la, la double Exactement. Occasion. sur les deux et, et deux superbes arrêts de, de, de oh. Paolo Lopez, pardon. Euh, votre regard un petit peu sur cette équipe justement de, de, de Benfica, qui était clairement inoffensive. À ah, moi mon déçu. Mais, moi, personnellement, moi, ils pas déçu, déçu parce que je m'attendais à. J ai, j ai, j ai, j ai Mais vous ma avait quand même montré un meilleur visage. J'ai pu, j'ai pu les. Oui, à domicile extérieur, forcément, il va y avoir une différence. Euh, j'ai pu les voir. Au... Auparavant, avant cette saison, je les ai vus contre le Sporting il y a quelques semaines. Ils perdent à la dernière minute euh, au Sporting. Euh, ils réagissent plutôt bien en deuxième mi-temps, mais c'est une équipe qui collectivement a beaucoup de difficultés cette saison. Euh, quelques semaines auparavant, ils ont pris 5-0 à Porto, ce qui est euh, une humiliation hein, pour euh, dans, le super, dans le Super Classico pour l'équipe, pour les Benfiquistes. Euh, la phase européenne d'automne n'a pas été bonne non plus. Euh, c'est euh, une saison très très poussive. Après, pourtant ils sont champions de Portugal en titre, mais... Depuis le départ d'Enzo Fernandez en janvier dernier, ils avaient fait une grosse première partie de saison. On se souvient qu'ils avaient été en quart de finale de Champions League où ils avaient été sortis par l'Inter. Mais à partir du moment où ils avaient perdu Enzo Fernandez, l'équipe a commencé à à perdre en qualité et, et Roger Schmidt cette saison est très très contestée. Bon, blanc hein, on rappelle euh, exactement sorties, donc euh... en fait au moment du tirage au sort moi je m'étais dit que le meilleur tirage au sort possible pour l'OM était d'avoir Benfica avec le retour au Vélodrome mm -hmm. parce que quand tu vois le plateau, il y avait énormément de très bonnes équipes. Ah, C'est ça bah, oui. Il est très ah, très clairement. relevé le plateau cette saison en, en Europa League de quart de finale et, et Benfica sur la forme et sur la qualité même s'il y a de la qualité individuelle, attention, il y a des très bons joueurs. Euh, certains dont on entendra parler dans d'autres clubs, comme toujours à Benfica. Euh, mais c'est une saison très compliquée pour Benfica, et là, sur le match d'aujourd'hui, on l'a retrouvé. Il y a très peu de personnalité collective. Euh, face à, on l'a souligné, le, le pressing marseillais, l'envie marseillaise d'aller les chercher, ouais. en général, chez les équipes qui ont de la personnalité collective, qui ont un collectif solide, il y a la capacité à réagir, à ressortir, à avoir, de, à, à, à avoir des, une capacité à calmer les temps forts en gardant un peu le ballon, surtout avec la qualité technique qu'ils ont. Rien de tout ça, parce que c'est une équipe qui semble un peu... Euh, qui semble un peu se perdre, et même durant la, le temps fort de l'OM, avant même le premier but de l'OM, je trouve que Benfica, pour une équipe qui doit garder un but, laissait beaucoup d'espace entre ses lignes, il était un peu coupé parfois euh, dans son bloc. Donc euh, on a eu les symptômes d'une équipe malade, on avait deux équipes malades un peu face à face, et donc pour Benfica, euh, leur prestation est décevante pour les supporters, mais je pense que les supporters de Benfica, malheureusement pour eux, s'y attendaient, parce que ça fait déjà quelque temps qu'ils se plaignent de pas mal de choses, notamment du niveau de l'entraîneur. Tu sais, Feuillé Nord par exemple, il y a deux ans, m'avait fait bien, bien, bien meilleure impression que, que, que Benfica. Et pourtant, euh, au niveau de l'effectif, ils n'avaient peut-être pas euh, autant d'individualité, euh, même si on avait certaines. Hein, Sinistera, qui était un super joueur, Senesi en défense centrale, Gertruda, euh, Gertruda également, qui était, qui, qui était très bon du côté de Feyenoord. Mais c'est vrai que du côté de Benfica, euh, bah, Kucsou, je voyais Coucou qui, 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 ouais. qui était également du côté de, de Feyenoord et qui était vraiment euh, un des un des meilleurs joueurs au milieu de terrain de cette équipe-là. Mais tu vois, là, là on parlait d'une équipe de vétérans. J'ai vu quelqu'un dire ça sur le chat. Alors c'est à moi qui voilà, est vrai. Voilà, c'est un mélange des deux. Il y en a certains. Hein. Ouais. Di Maria, Rafa Silva, ou Silva, ba, -Neves. Sont, sont des joueurs d'expérience. Mais Antonio Silva, Joao bah. Neves, même Florentino, Florentino Luis reste Tino. encore assez jeune. Quand tu jeune. regardes jouer Joao Neves, t'as l'impression qu'il a 10 ans de plus. Aussi, hein. Même, même, même <laughs> si aujourd'hui physiquement même, il est Même, même il a si, si aujourd'hui il m'a pas fait, hein. fait forte fort impression. Joao Neves m'a plus fait forte impression sur le match aller physiquement que sur le match retour. Il y a le 9 Tengsten qui a 23 ans. Qui lui ne m'a pas fait force impression ni sur le match aller, euh, ni hein. euh, euh, ouais. sur le match retour. Il est professionnel le joueur Apparemment. Ouais, parce que Pardon. la match, Il a signé le contrat. Mais les... Du coup, j'ai demandé à un ami suis supporter de Benfica si c'était exceptionnel le niveau d'aujourd'hui. Il m'a dit non. non. <laughs> mais le 9 de Benfica, sur les. Alors, c'était pas un match facile, mais sur les non, ballons en fait, qu'il a eu, le, qualité, le manque de qualité qu'il a. Bon, je vais pas l'enterrer, hein, parce que je l'ai pas assez vu jouer. Ils l'ont fait au Portugal, je crois. Hein, ça y est. <rire> <rire> je pense que, ouais, non, effectivement. Oui. Une qualif méritée, c'est la, la première question qu'on vous pose, bien sûr, dans le chat. Répondez oui ou non, que vous soyez sur Twitch, YouTube ou winamax.fr. Tite, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Justement, on, je le disais en intro de match, tu avais été dur à juste titre avec l'Olympique de Marseille sur le, sur le match aller. Au regard justement de, de ce match aller-retour, est-ce que, est -ce que cette qualif te paraît méritée Déjà, je pense pas avoir été si dur que ça en fait. Moi, j'ai été surtout frustré par les 65 premières minutes de l'OM à l'aller parce que j'estimais que dans l'attitude, il n'y avait pas l'implication d'un match de Coupe d'Europe et que face à une équipe dont on vient de dresser un, un portrait quand même pas super élogieux, en dépit du talent qu'il peut y avoir, et bah que l'OM avait moyen de produire plus ou au moins de produire mieux ou plus intelligemment sur ces fameuses 65 premières minutes, ce qui pèse quand même lourd sur une double confrontation. Donc après, la dernière demi-heure t'a permis un petit peu de maquiller ce, 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 cette absence-là. Mais globalement, euh, la, la Calife, en fait, elle, elle se joue sur pas grand chose quand il y Enfin, tu oui. vois, on en revient un peu à cette histoire d'efficacité, de, euh, de, 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 de temps fort, de temps faible. Enfin, pour moi, ces deux équipes, je vais le dire honnêtement, ces deux équipes qui ont toutes les deux beaucoup plus montré leurs limites mmh. que leurs forces. Mmh. Si on doit vraiment parler de football. Euh, c'est moi c'est c'est le, le, le constat c'est le constat que je fais mmh. non mais après il y a encore une fois après il y a pas que il y a pas que non, la technique non, hein, il y a il y a il y a les duels euh, il y a le, comment dire le, la, la maîtrise émotionnelle on en parle de tous les soirs là de, de Coupe d'Europe parce que systématiquement c'est quand même un, un facteur qui est très très important mmh. et, et, et là quand on parle d'une séance de tir au but bah forcément le, la maîtrise émotionnelle elle rentre en, en, en ligne de compte donc non moi j'ai pas envie de te dire que plus mérité, moins mérité. L'OM a fait ce qu'il fallait pour se donner les moyens d'y arriver. Mais voilà. tu sais... avec ce que sont ces armes du moment, et en ce moment, les armes de l'OM, bah, ce n'est pas des armes, pour moi, les premières armes en ce moment, elles ne sont, sont pas footballistiques. Et même en termes de confiance, on l'a vu, la série, elle était quand même très, très négative. Et puis, enfin, même quand tu regardes sur la dimension tactique, c'est de l'échafaudage. Oui. Tu vois, indépendamment, ouais, ouais. tu vois, indépendamment du fait que t'as pas réussi à te créer cette année vraiment une, tu vois, une feuille de route tactique et à la suivre un petit peu comme ça avait été le cas sur les deux dernières saisons, là, tu avances beaucoup plus à flux tendu. Donc moi, j'ai envie de donner ce, ce mérite à lom tu c'est d'arriver à trouver des solutions dans une saison qui est aussi décousue. Donc c'est bien, là, tu t'offres une petite épopée en Coupe d'Europe, ça va redonner du sourire à tes, à tes supporters, ça va te redonner un peu de crédit aussi. Euh, voilà, moi, je, je, là où je peux par contre faire un gros mea culpa, c'est que j'ai estimé, moi, euh, il y a encore deux mois, que la saison, elle était morte, mmh. parce que je les voyais très en difficulté. Avait des raisons de le croire. Mais, hein. non, mais parce que en, très en difficulté en mmh. Ligue 1, parce qu'en Coupe d'Europe, mine de rien, je les voyais avancer avec beaucoup de difficultés, même si... Au final, il, 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 voilà, il gagnait des matchs. Mais tu vois, tous les atermoiements qu'il y avait au niveau institutionnel, je me suis dit à un moment, tu es obligé de le payer. Et, et, et que ce groupe-là, euh, avec, avec tout ce qu'on a pu en dire, arrive à se frayer un chemin, tant bien que mal, jusqu'à une demi-finale de Ligue Europa, bah ça, oui, pour le coup, il faut, faut tirer le coup de chapeau. Là, là, là où je le rejoins complètement, c'est que en fait, ce match il représente assez bien la saison de l'OM, dans le sens où l'OM est une équipe qui est capable de faire match nul 1-1 contre Metz, qui est capable de faire 1-1 contre Strasbourg. Mais qui est capable dans le même temps de gagner 4-0 contre Villarreal, de perdre le match retour ensuite 3 buts à 1, de nous offrir un match un peu fou, 4 buts à 3 contre l'Ajax Amsterdam en face de groupe, ou alors nous proposer le match de ce soir où t'es... Plutôt au-dessus de Benfica et au final tu l'emportes au tir au but. C'est une saison décousue, c'est une, une équipe qui improvise. C'est le mot que j'utilisais tout à l'heure et je trouve qu'il représente assez bien la saison de l'Olympique de Marseille. C'est une équipe qui n'a pas forcément de fil conducteur, qui ne se repose pas sur un seul système, qui ne se repose pas sur forcément des joueurs références à tous les postes. Alors il y en a certains évidemment qu'on retrouve régulièrement, mais par exemple un Unai est un joueur qui parfois peut être sur le banc comme il est capable d'être titulaire et être quasiment le meilleur joueur sur la première heure de jeu. C'est qu'en fait tu pas véritablement de fil conducteur, de fil rouge dans cette équipe, mais par contre, c'est une équipe qui est capable de bien improviser par moment Et, et 4-2-3 de... ateliers. Oui, bien sûr, 4-2-3 ateliers. Oui, mais ça fait une grosse bah, Et tout, euh, euh, et Aubameyang, je pense sur cette campagne-là, je sûr. rajoute Paolo Lopez, si ces 4-là jouent pas à, à, au niveau qu'ils ont montré depuis le début de la campagne, je pense que tu, tu peux pas avancer parce je que je pense aussi que je te rejoins encore je ce te soir te rejoins là-dessus évidemment qui, qui t'envoie une passe décisive euh, il est sur la exact. moitié des buts de l'OM en Ligue Europa 13 ouais. sur 26 que ce soit les, les, les buts ou les passes décisives je te rejoins complètement là-dessus c'est vrai que il y a quand même certains joueurs références quand même sur cette saison mais on a voilà une équipe qui improvise encore une fois c'est c'est pas il n'y a, a pas forcément une fluidité dans ce que réalise l'Olympique de Marseille depuis des mois, mais ils sont capables de nous offrir ce genre de performance et tant mieux, ça leur permet de continuer leur leur up -up européenne et aujourd'hui tu es en demi-finale, tu vas jouer contre une bonne équipe de l'Atalanta Bergame qui ne faudra pas sous-estimer. Et l'Atalanta d'ailleurs sera favorite ah, de cette peux, double confrontation. Tu peux confrontation. dire une meilleure équipe que toi. Hein. Bien sûr, bien sûr, je, je le dis, hein, ils sont favoris sur cette double confrontation, mais il y a des raisons quand même d'y croire, peut-être que l'Olympique de Marseille peut encore aller plus loin et sincèrement, c'était pas gagné d'avance en début de saison. On rappelle que c'est une équipe l'Olympique de Marseille qui a connu trois coachs, y a encore deux mois, on se demandait si c'était pas la pire saison de l'Olympique de Marseille de, 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 du depuis ouais, du siècle, depuis les, les années 2000. Et aujourd'hui, tu es en demi-finale de la Ligue Europa. Donc bravo, respect, faut savourer ce genre de qualification. Tout n'a pas été parfait, mais il faut savourer ce genre de qualification. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc bravo à l'Olympique de Marseille, tout simplement. Exactement. Et le mot peut-être de la soirée, ça aurait pu être même irrationnel, comme l'est l'Olympique de Marseille euh, depuis le début bien de cette sûr. campagne en, en Ligue Europa. Les gars, j'ai envie de vous proposer de passer à la deuxième partie parce qu'il y a les choix d'un homme euh, eh bien, sur lesquels il faut s'arrêter, Jean-Louis Gasset au début de, au départ de, de, de ce match, les choix de Jean-Louis Gasset aussi pendant ce match et même tout l'apport peut-être de Jean-Louis Gasset depuis qu'il a pris la tête de cette équipe de, de l'Olympique de Marseille. Regardez plutôt déjà euh, la composition d'équipe euh, de départ de l'OM, on l'a vu tout à l'heure, euh, l'OM qui a dû eh bien, euh, faire, alors je retire le petit sondage, un hein, calife mérité pour 91% d'entre vous qui nous regardé bien sûr. Euh, donc on a dit une, une compo quand même audacieuse, je vous laisserai revenir là-dessus même si vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Regardez surtout. Les absents du côté euh, Olympien, euh, Klaus et euh, Ismaël Assar, bien sûr, sont en phase de reprise. Ils ne pouvaient pas être disponibles ce soir. Merlin Meité été Nadir toujours à l'infirmerie. Et on rappelle que Onana Garcia et euh, Gay sont non qualifiés justement pour cette pour cette Ligue Europa. C'est le roi du bricolage, notre ami Jean-Louis Gasset. Ah oui. Oui. Même, il y a clairement. des joueurs qui jouaient sous infiltration aussi. Exactement. La mmh. euh, euh, charnière centrale, on peut le dire. Gigot, <laughs> euh, pour sûr. Et même Mabalardi je suis pas ouais. sûr, mais il me semble qu'ils ont. En tout cas, ils ont des ils ont des, des pépins hein, également. Donc. Euh... Euh, bon euh, sur en disant que sur le 11 de départ, il a moins de choix qu'auparavant, de choix à faire par contre. Là où il peut avoir des choix à faire et là où il doit faire des choix, où il fait des choix, c'est sur l'animation et sur comment il veut. Parce que c est, c est, ces joueurs là, qui ont démarré le match, tu peux les mettre différemment euh, selon, selon le système où tu veux les mettre. On, on pensait au début que ça allait être un losange. Moi, j'ai bien regardé. C'était pas un losange. Hein. Hein, C'était une espèce de défense à trois avec Mbemba qui est avec Balerdi et Gigot. Donc Mbemba plus à droite qui peut ensuite se décaler à droite. Arrind qui était quasiment dans un rôle Arid, de piston. qui était dans un rôle de faux piston. Euh, selon la phase offensive ou défensive, évidemment, ça peut se transformer en défense à quatre. Euh, et euh, et euh, Iliman et, et euh, Unai Yang. en soutien d'Obameyang et Soglo qui prend le côté gauche. Donc ça bougeait un petit peu dans ce sens-là. Euh, il y a eu une animation mise en place précise pour aller chercher au Benfica et les empêcher de sortir. Donc on sent quand même qu'il a travaillé, qu'il a cherché à travailler son système et sa, sa, son pressing, sa sortie de pressing pour, pour empêcher Benfica de, de s'installer dans son camp, ce qui a fonctionné. Maintenant, évidemment, offensivement, c'était quand même assez pauvre la première mi-temps. Il y a très peu d'occasions parce qu'on l'a dit, il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de mauvais choix, il y a parfois beaucoup de mésententes entre les éléments offensifs. Je trouve que par exemple, bon, ben, ce n'est pas nouveau, mais les choix d'Arit sont rarement les bons choix. Mm -hmm. hein, ce qui est quand même, il faut le dire. Problématique pour un meneur de jeu, puisqu'il jouait piston droit, mais il se souvent, retrouvait souvent dans des zones de création et que c'est un meneur de jeu à la base. Et derrière, là où il a fait le coup, c'est qu'au moment où, ça, où vers l'heure de jeu, où tu te disais, bon, il bah, va falloir quand même commencer à être dangereux, <laughs> il fait les changements nécessaires. C'est-à-dire qu'il a mis plus de poids devant en faisant rentrer Moubagna et il a fait rentrer aussi Enrique. Il a fait sortir, si je ne dis pas de bêtises, c'était. Ounaï ouais, et, Soglo, Soglo. Soglo. Mm. et Soglo. Luc Enrique qui fait une entrée excellente côté gauche. Incroyable. Incroyable. Euh, défensivement, offensivement, il a donné de très bons ballons. Il a fait une superbe entrée euh, majuscule. Sans compter et, le penalty vainqueur. et, ouais. et parce qu'il faut les avoir bien accrochés quand même. Ah, Ils hein, les ont tous suivis par, su les par rapport tirées. à son âge, oh, ce qu'est son passif et son histoire à l'Olympique de Marseille. Le fait qu'il se retrouve là. Presque par un concours de circonstances. Ouais, il devait hein. être revendu Parce cet que tu hiver. Tu tombes sur une année où il n'y a pas la canne, il repart au Brésil à ouais, hein, mon ah, Il devait être revendu cet hiver. Jusqu'à la fin, on ne savait pas, lui-même ne le savait pas. Donc c'est vrai qu'effectivement, tu as raison de le souligner et, et il a la. Il a la tête assez forte aujourd'hui hein, pour rentrer dans ces conditions et être bon, parce qu'il n'a pas non plus beaucoup de rythme d'enchaîner, même s'il joue plus ces derniers temps, du aux hécatombes. Il joue pas à son poste. Euh, ouais, il est, il est en latéral piston là quand il rentre. Et l'entrée de Moumania a permis d'avoir plus de poids devant, ce qui manquait un peu, quitte à, à un peu moins jouer entre les lignes. Et ça a aussi permis une chose à Aubameyang de plus désonner parce qu'Obamiang était seul neuf auparavant Obamiang a plus désonné par la suite Et le but notamment vient de cette, de cette chose-là Obamiang peut centrer pour Moubania qui permet de marquer Alors oui après Moubania techniquement c'est très rustre hein, On l'a vu sur la suite hein, sur, <laughs> sur toutes les conduites de balle et les, les conduites c'est quelque chose hein. Voilà. Mais ce soir il est un peu à l'image de l'OM Rustre, des défauts techniquement <laughs> oui. Mais il fait une entrée avec plein de il mais Il est décisif, il met le but qui permet d'arracher la prolongation Et le, ce choix Ce double changement de, de Jean-Louis Gasset alors qu'il a peu de munitions sur le banc, il les a bien utilisées parce que je trouve que c'est ce qui a redonné le punch à l'OM. Parce il y a eu directement que c'est ce qui a remis un peu d'essence dans le moteur. Ouais. Quand tu es dans une partition où tu sais que tu vas pas faire la différence techniquement, mais justement avec cette énergie, c'est ce qu'on répète depuis, depuis tout à l'heure, il faut que tu utilises tes remplacements pour amener des joueurs qui sont dynamiques qui vont avoir, alors Mbanya il a du déchet, Lucien il a du déchet, les joueurs qui rentrent, de toute façon, s'ils ne sont pas titulaires de base avec tous les absents qu'il y a, c'est qu'il y a une raison. Mm -hmm. Mais quand ils sont rentrés, eh ben, ils ont continué à, à faire perdurer cet allant, à faire perdurer cette, cette énergie. Maintenant, et moi c'est pour ça que je vais aussi, et c'est peut-être un petit peu ingrat de ma part, mais je vais quand même relativiser l'impact de Gasset. Mm -hmm. Alors peut-être pas sur semaine management, parce que moi je ne suis pas dans le, dans le vestiaire pour savoir dans quel Mesure, il a pu tranquilliser son équipe, la motiver, jouer vraiment sur les, sur les leviers psychologiques pour, bah pour faire en sorte que l'équipe propose ce visage-là. Donc, ça, je n'ai pas envie de lui enlever ce mérite-là. Maintenant, sur la dimension tactique, moi, je veux bien qu'on regarde ce soir ce qu'il a fait de bien, c'est-à-dire les entrants, les changements, l'échafaudage le, le, qu'il a mis en place. Mais globalement, c'est quand même. Un, ça reste un accompagnateur, Jean-Louis Gasset, et je dis ça sans lui manquer de respect, parce qu'il faut avoir quand même le profil et l'humilité pour justement épouser le rôle qui, était, euh, qui lui a été attribué sur cette fin de saison. C'est essayer de maximiser voilà, le, le, le peu de choses qui te restent dans ce club par rapport à la saison chaotique pour avancer et pourquoi pas t'offrir une fin de saison avec de l'intérêt. Mmh. Ça, moi, il en est comptable, donc je n'ai pas envie de, de, de tout lui retirer. Mais je n'ai pas non plus aujourd'hui envie qu'on explique que si l'OM est en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est parce que, tactiquement, Gasset a révolutionné cette équipe. Il a apporté des adaptations ponctuelles et il a mis les joueurs dans des conditions d'expression meilleures que ce n'était le cas avec Gattuso. Maintenant, de là à dire qu'il a, ré, qu a révolutionné les choses, je veux dire, il y a encore 24 heures, son équipe était sur cinq matchs perdus d'affilée, en montrant quand même aussi, y compris sur le plan tactique, des lacunes. Mmh. Donc voilà, moi je n'ai pas envie qu'on soit dans cette culture de l'instant à sûr. dire que, Ga que, que Gasset il a tout changé. Mmh. Par contre, il a eu un effet antiseptique sur l'équipe, ça c'est incontestable. incontestable. On vous pose la question, allez un brin provoque parce qu'on passera à l'évaluation des joueurs dans, dans quelques instants, on mettra sans doute une très bonne note à Paul Lopez notamment. Est-ce que Gasset est l'homme du match Oui ou non Vous nous répondez bien sûr dans le chat. On a eu l'avis de Tide. Les gars, je me retourne vers vous. Moi. Quand on voit le scénario de ce match, quand on voit les, les valeurs justement qu'a montré l'OM et, et qui lui permet aujourd'hui d'être en demi-finale de, de, de cette Ligue Europa, est-ce que quelque part on ne peut pas louer ce soir le management de Jean-Louis ouais, Gasset Moi je loue quand même... Sans dire que, 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 que tactiquement, Gasset, c'est extraordinaire et qu'il a mmh. métamorphosé cette équipe de l'Olympique de Marseille. Mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait eu des choix aussi sur le terrain qui étaient intéressants. Notamment en début de match, quand on parlait de ce système un petit peu à trois défenseurs, pour moi, il y a eu une volonté aussi de densifier le milieu de terrain. Quand tu mets Ounaï, Veretout, je ne sais plus qui était l'autre milieu de terrain. Qu'on dogue bien. Quand tu mets trois milieux de terrain comme ça, deux joueurs sur les côtés, deux attaquants, avec notamment un Eliman Ndiaye qui parfois était attaquant, parfois milieu de terrain, il y avait clairement une volonté de densifier l'axe pour justement imprimer ton pressing haut sur le terrain et avoir la tenue du ballon. Donc ça, c'est un choix aussi tactique de la part de Gasset qu'il ne faut pas lui retirer. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose quand même que je loue de la part de Gasset, c'est que moi, en toute honnêteté, quand il sort Ounaï et Soglo, je me dis, il fait une bêtise, il fait une bêtise, le monsieur. Pourquoi Parce que Ounaï, pour moi, c'était certainement le meilleur marseillais sur la première heure de jeu. Parce que Soglo, sincèrement, était plutôt bon. Donc je me suis dit pourquoi ils sortent ces deux joueurs-là Et finalement ça, ça euh, ce sont des choix qui se sont plutôt qui ont, qui ont plutôt porté leurs fruits. Parce que Luis Enrique a fait une superbe entrée. Franchement, il a eu très peu de déchets, en tout cas, aujourd'hui, lorsqu'il est rentré en jeu. Des centres de qualité qui arrivaient toujours à destination. Des superbes débordements de jeu. Lorsqu'il était dans sa moitié de terrain, il arrivait à conserver le ballon sous pression. Franchement, j'ai trouvé que Luis Enrique a été exceptionnel, son entrée. Et puis Moubania, tu l'as très bien expliqué. Il a apporté un petit peu plus de présence devant. Alors, il y a eu du déchet, lui, pour le coup. Mais il te marque ce but qui te permet de rester en vie dans ce match. Donc, finalement, les choix de Gasset ont été, ont été payants. Et puis, tu sais, Tidiani, tu disais quelque chose, tu disais. Il a quand même la faculté de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. C'est la définition de la tactique. Hein. La tactique, à la base, c'est ça c'est réussir à mettre les joueurs dans, la me dans, dans les meilleures dispositions, avec et sans ballon, gérer à la fois les phases avec, les ba avec ballon, les phases sans ballon et les phases de transition. Et aujourd'hui, bah, ça a été plutôt bien fait. Alors, encore une fois, et ça j'insiste là-dessus, Gasset n'a pas révolutionné, n'a pas métamorphosé Marseille. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de fil rouge dans cette équipe. Mais par contre, lorsqu'il faut un petit peu improviser, par moments il arrive à trouver les bons filons et aujourd'hui il a réussi à trouver ce qu'il fallait faire. Réussir notamment, encore une fois j'insiste, avec cette densité dans l'axe au, au début du match qu'a servi l'Olympique de Marseille et des changements qui se sont avérés judicieux, même si aux premiers abords ils pouvaient paraître un petit peu douteux. Yanis, ton, ton avis sur l'impact de Jean-Louis Gasset sur, sur cette double confrontation et cette qualification de l'OM en, en demi Où est-ce que tu te situes par rapport à l'échange entre entre Najib et Métide Pour moi, il, est, il a été très bon dans la gestion de, des forces en présence et dans la gestion de la série actuelle parce que c'est une série difficile pour l'équipe de l'Olympique de Marseille parce que le match aller se passe pas très bien mais que tu en es totalement tu en sors totalement vivant avec un seul but de retard. Et donc, euh, par la suite, ce qui a été intéressant sur ce match, ça a été, je l'ai dit tout à l'heure, de, 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 de tout de même avoir cette volonté d'aller mettre le rythme, de faire fi de tous les problèmes actuels, de faire fi de toutes les limitations techniques actuelles, toutes les limitations de jeu actuelles d'une équipe un peu malade, et d'aller chercher Benfica et de se donner. L'objectif, de toute façon, tu ne peux pas contrôler le, la finalité du match. La, tu ne peux pas contrôler le score d'un match que es un entraîneur, mais tu peux contrôler la manière dont tu vas l'aborder, essayer de mettre le plus de chances de ton côté. Son, son approche pour le faire, ça a été euh, euh, beaucoup, de mettre beaucoup de rythme, d'aller chercher plus haut, d'empêcher Benfica de sortir. Et effectivement, euh, sans avoir un surnombre énorme en attaque, sans trop se, se découvrir euh, et sans trop se créer d'occasion sur, sur la première partie du match, euh, permettre quand même à l'équipe d'être en position d'imaginer d'avoir un push à un moment. Et je trouve que le, le, le moment où, où l'OM a poussé... C'est au moment où Gasset a fait les changements dont j'ai parlé tout à l'heure, et donc à ce moment-là, quand il a fait ces changements, ces changements ont eu un impact immédiat, parce que le but de Moubania il est la conséquence d'une série de deux-trois occasions, dont une action où il peut avoir penalty sur Balardi, puisque le gardien vient un peu sur lui, donc il vient pas de nulle part le but. Il vient de la résultante d'un moment où l'OM quand même prend confiance et est beaucoup plus enfin présent, Un moment où ils ont plus, où ils ont enfin des occasions. Exactement. Donc ça, donc il a eu. Un impact direct sur ces changements Il a eu, c'est indéniable le... C'est factuel Il a eu un impact direct Sur le déroulé du match Le choix que j'ai un, un peu moins compris C'est Harit Qui est resté très longtemps sur le terrain ouais. bon, Après il n'y avait, avait pas forcément Beaucoup de munitions aussi sur le banc Mais C'est vrai qu'Harit lui A vécu un match très compliqué euh, du début jusqu'à la fin on a l'impression qu'il n'a pas réussi à rentrer dans sa rencontre et il euh, y a un moment dans le match où je me suis dit mais quand est-ce qu'il va le sortir quoi parce que tu sentais vraiment que qu'il euh, il voulait comme d'habitude parce que qu'Aminarit est un joueur qui est toujours déterminé mais que malheureusement dans l'exécution c'était pas ça quoi. il y avait beaucoup trop de déchets techniques beaucoup trop de pertes de balles il ralentissait parfois un petit peu le jeu et il devenait plus... Euh, une, une une, C'était plus un défaut pour son équipe qu'une qualité. Donc je me demandais pourquoi il ne le sortait pas. Et finalement, il l'a sorti, euh, je crois, durant la prolongation. Et c'est justement ce que dit MD. Il dit Gasset, il sort Ounaï, il laisse Harit quand même. c'est pas très compréhensible. Est-ce que vous partagez cette, cet avis Il nous a étonné. Le, oui, la sortie tu... de, 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 de ouais. Ounaï nous a un peu étonné. Ouais, Là-dessus, on n'a pas, pas eu la même lecture que lui. Alors peut-être que sur des replis défensifs ou d'autres choses, sur des intangibles de consignes collectes tactiques qu'on n'a pas, ce qui arrive parfois chez les coachs, il nous a manqué quelque chose. Même mais sur, sur la condition physique aussi. Exactement. Parce qu'il y en a un les qui qui même plus que l'autre et qui a peut-être un peu plus de Sur ce de que nous, on ne peut aussi. pas voir, peut-être. Peut-être mm. que là-dessus, il y avait d'autres choses, mais c'est vrai que sur la performance mm. en elle-même, j'ai trouvé rite mm. en deçà, parce que les choix ne sont pas bons de manière générale. Mm. Exactement. Quelques réactions soeur, dans le, dans le chat sur ce sujet autour de, de Gasset. Alors, il y en a qui sont dithyrambiques, comme Adalas, qui nous dit Gasset est un génie. Julien, qui nous dit Gasset arrive à, à faire jouer les joueurs ensemble. Et puis John Wick, qui nous dit non, Gasset est un rassembleur. C'est le vrai John Wick Pardon C'est le vrai John, oui. C'est le vrai John. Wick. Ah, ouais, ben, bah, faut se tenir tranquille. <laughs> et il comprend le français, ça qui est Oui, c'est ça qui est ouf. C'est ça qui est fou. Et puis, bien sûr, Yacine aussi, c'est l'enflammate ce soir. Gassès et gotas <laughs> J'imagine qu'il un petit peu d'humour, bien sûr. Pourquoi, euh... pas, pourquoi après, pas Derrière, derrière, derrière après, tout après, ça, c'est dans la, dans, dans la gouaille, bien, tu vois. Oui, bien sûr. Mais après, sur le reste. Non, ouais. non, sur, après, ouais. sur le reste, t'as Et je dis ça en là. ayant un énorme respect après. pour Jean-Luc ses bien accomplissements, sa carrière. Et, et, et le fait qu'il amène 7 OM-là, 7 OM-là, dans une demi-finale de Ligue Europa. Si tu t'enflammes pas aujourd'hui, tu t'enflammes quand Ah non, mais t'as raison, t'as raison. Si on fait les pisse-froid ce soir, il faut arrêter ce métier. Sans être pisse-froid, il faut quand même aussi avoir les yeux en face des trous. Bien sûr, bien sûr. Il y, euh... y a un mec dans le chat, Mike Monet qui trouve des sosies depuis tout ouais, à l'heure. Je les ai mis de côté. On en parle il nous reste du temps. Najim, par exemple, c'est Tchakola. C'est là qu'on le dit souvent en plus. Et moi, c'est Yanis ben Pourquoi pas hein. Apparemment, ah, moi, c'est Berbatov, les gars. Je ne sais pas s'il faut bien le prendre. C'est la, la coiffure, peut-être. C'est la coiffure, c'est sans doute ah, ça. Il est beau gosse, Berbatov. Eh, ouais, ouais, On prend. Les gars, parlons quand même d'un homme, justement, dont on parle dans le chat. C'est Mumbania. C'est très pauvre techniquement, mais en pivot. Et dos au but, pardon, c'est très, très propre. C'est JLT1328 qui nous dit ça, Mumbania. Qui est l'un des héros de cette soirée, l'un des héros surprise et inattendu Il y a quand même quelqu'un qui a mis de l'argent sur cette cote, qui était, je crois, à 3,75 avant le début <laughs> ça de, de, de ce match. Euh, 50 euros a posé notre ami Alain Foury. Alain Foury, je vous rassure, c'est un, un pseudonyme, bien sûr. Euh, cote à 3,45. Posé 50 euros sur Mumbania avant la du match. Ça se trouve, c'est ce... mmh. son... De... son vrai prénom. Non, hein. eh, non eh, ça ça en, fait, vous en vous rassure, non. Alors, ils m'ont dit chez les traders, parce qu'on n'a pas le droit de mettre les prénoms et noms. Ils m'ont dit, je te rassure. Ça se trouve, le mec, il regarde l'émission, il dit, mais il a quoi de mal, mon vrai et mon nom Moumbania <laughs> bon, quand même, on l'attendait pas, les gars. Premier but en non. Coupe d'Europe. clairement. C'est enfin, incroyable. Il y a encore une fois ça participe pour côté irrationnel de cette soirée et de cette confrontation. Ouais. Par, par contre, moi, sur le chat, il dit euh, effectivement techniquement rustre, mais justement, moi, je trouve que dos au but, euh, en pivot, il a, la, il, a il a la stature physique, mais par contre. Pour moi, dos au but pivot, pour être un bon joueur dos but pivot de remise, tu dois être plus propre techniquement que lui. Il doit beaucoup progresser là-dessus. C'est jouer avec son corps parce, qu parce que tu as un défenseur sur le dos, tu as beaucoup de densité athlétique, et ça va vite, tu as, une, tu as des passes qui vont vite, il faut très très vite processer comment tu la remets et la remettre propre techniquement en une de touches. Le meilleur exemple, évidemment, en équipe de France, c'est Giroud, qui, est, mm -hmm. qui a beaucoup progressé là-dessus et qui est très fort sur ce, sur ce jeu en remise. Donc pour moi, justement, avec ses atouts athlétiques, et, et c'est vrai qu'il pèse sur une défense, il presse beaucoup aussi, euh, dans son profil, il doit beaucoup travailler techniquement sur l'aspect remise, sur l'aspect première touche, remise, etc. C'est là où il peut trouver son intérêt en tant que joueur. Moi, je pense, il est décisif. Que, moi je pense même qu'il a un peu un plafond de verre dans ce registre-là. Mais par contre, il peut t'apporter autre chose. Yannis l'a dit. Dans le pressing, il va t'apporter il va faire les replis défensifs il va fatiguer les défenses adverses. C'est un joueur qui, dans la surface de réparation, peut jaillir au bon moment, au bon endroit, comme il l'a fait ce soir. Donc je ne pense pas que ce soit un joueur qui va vraiment s'inscrire dans la durée à l'Olympique de Marseille, mais sur cette fin de saison, il peut te rendre des services. S'il arrive à être en confiance, s'il arrive à être mis dans les meilleures conditions, je pense que c'est un joueur qui peut te marquer des buts comme il a pu le faire aujourd'hui. Donc euh, ce n'est pas forcément le joueur qui me fait sauter de mon canapé, ce n'est pas forcément un joueur frisson, ce n'est pas forcément ce qu'on doit non plus attendre de lui, parce que je pense que ce n'est pas ce pas type de joueur-là. Ouais. Mmh. Mais par contre, il a d'autres qualités, et aujourd'hui, il, il les a montrées, donc faut aussi applaudir son match. Parce que quand tu es, es capable de marquer ce but à 15 minutes de la fin, alors que l'Olympique de Marseille était finalement au bord de l'élimination, bah, il faut le sortir ce but-là. Donc bravo à Moubania d'avoir réussi à marquer ce but si important pour la suite de la compétition. Et je vois dans le chat que quand on parle de Moubania, forcément, ça a paraphrase SDM, les gars. Voilà, euh, hommage, bien sûr, <laughs> dans, cette, dans cette soirée. Côté irrationnel, je jusqu'au bout. Allez, on passe tout de suite, si vous voulez. On a fait le tour, je pense. Euh, Gasséum du match, 62% bien sûr, de non. On rentre tout de suite dans l'évaluation et on va noter les joueurs, disons. Vous nous faites rire dans le chat et on en parle bien sûr euh, sur toutes ces petites, euh, ces petites interludes. Les gars, les notes, euh, on va commencer bah, par celui qui est sans doute le vrai héros, Paul Lopez. Combien on lui met ce soir la ah, C'est que... 7 8. ou 8. Hein. C'est ah, 8 minimum pour moi. C'est 8. Que demander de plus Alors, il y a les arrêts. Je, je, je valorise presque plus ce qui fait avant la séance que pendant ouais. la séance. C'est ça qui est, qui est paradoxal parce qu'en plus… Euh, pour les supporters marseillais, c'est la première fois qu'ils le voient euh, à si bon, euh, dans, dans de si bonnes dispositions dans ouais, une séance compliqué. de tir au but, parce que tu en avais perdu une contre Rennes, c'est ça mm. Oui. Annecy Oui. Pana Oui. Et en, non, oui, en ayant à chaque fois la frustration de le voir très très limité dans cet exercice. Euh, Pana, c'est pas Blanco C'est peut-être Blanco. Je crois qu'il il demande à sortir parce qu'il n'est pas confiant. Exactement. Ce qui en tu rajoute. Bien, tu fais bien de le rappeler. Ce qui en rajoute. Mais, 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 mais dans tous les cas, on sait que ce n'est pas forcément son... Euh, son, son Point fort. Euh, son point fort. Mais moi, c'est surtout ce qu'il fait pendant le match pour justement, su, sur les moments où Benfica ressort un petit peu la tête de l'eau, au moment où, où l'OM a, a remis les compteurs à, à égalité. Là, tu revois un peu Benfica, là, tu revois un petit peu Rafa Silva, tu revois un petit peu Di Maria. Et là, il faut faire les arrêts. Mmh. Et il fait les arrêts. Donc, euh, si euh, sur ces temps faibles, l'OM a réussi à rester debout, c'est aussi parce que lui a. A, a maintenu le, le navire à le, flot et ça fait deux fois mm -hmm. parce que moi j'ai en souvenir aussi ce match retour à Villarreal où il est encore plus énorme parce que là il fait une ouais. dizaine d'arrêts mais sur cette campagne de Ligue Europa mine de rien il commence à avoir une bonne petite place dans le synopsis notre ami Paolo P. Ouais. clairement euh... 8 33 sur 10 les gars on lui retire des points où du coup nulle part Lopez. enfin nulle part pour moi, je t'ai dit 8 minimum, mmh. parce qu'en fait, euh, même son jeu au pied aujourd'hui, ils le disent dans le chat et ils ont raison, a été bon. Euh, et en fait, au final, tu demandes à un gardien, il a fait un clean sheet, ouais. qui te permet d'aller en prolongation, parce que si tu encaisses un but, je pense que c'est très difficile. Et l'OM est un de... peu plus dans le dur en prolongation, on n'a l'a pas dit tout à l'heure. L'OM mais... est dans le dur en prolongation, et même avant la prolongation, après le but de l'OM, l'OM est dans le dur. Mmh. Avant même le but, il y a ce double arrêt sur, sur la frappe, les frappes de Rafa Silva et de Di Maria, euh, et, et ensuite euh, en fin de match et en prolongation, il en sort des belles. Il sort très très vite, notamment sur Cabral, euh, pour faire cet arrêt. Donc si tu ajoutes ce clean sheet. Ouais. Le match parfait pendant le match parce que tu prends pas de but Tu es décisif sur des arrêts qui sont pas tous faciles Et la séance de tir au but tu en sors, tu en sors un J'allais dire deux mais le premier c'est le poteau, le poteau ouais. Même si sur le deuxième sur le deuxième pénalty Déjà il plongeait souvent du bon côté ouais, mais c'est vrai Sur le deuxième, ouais, deuxième, ouais, deuxième pénalty il peut quand même s'en vouloir Parce qu'elle est pas bien tirée, elle lui passe en dessous Mais au final il va chercher l'arrêt qui permet derrière D'être en très bonne position pour te qualifier Donc un neuf ne me choque pas parce qu'un gardien Quand il fait un match comme ça parfait, qu'il a pas de sorte de concentration Qu'il est bon au pied, bah que lui demander de plus mmh. euh, Tu l'as bien dit, sur la, sur la campagne européenne, il est très bon. À Villarreal, mmh. euh, il, franchement, il sauve d'un ah, L'OM lui doit la qualif, hein, parce mmh. que mmh. sinon, et la Futada, hein, euh, ouais. ils l'ont dans la raquette. C'est fou de dire ça, hein. parce qu'il y a 4-0 quand même à l'aller, mais à, à Villarreal, euh, il en sort euh, plein sur beaucoup de corners des têtes. Enfin bref, il a, été, il a été très très bon. Donc, euh, c'est un acteur majeur, effectivement, de ce parcours. Exactement, Renard Jutena sur le cas Paul Il y a eu quelques, quelques trolls, 7,44, a... mais il y a eu quelques trolls, je pense que c'était plus entre 8 et 9. Il fait mois, partie dit. des joueurs, alors je ne dis pas que ça n'était pas justifié, parce qu'à un moment il a eu des difficultés aussi euh, à l'image de l'OM cette saison mais qui euh, ont euh, mentalement réussi à se redresser. Mmh, c'est exactement ça. Euh... Pour moi, moi c'est l'homme du match avec euh, Balerdi. Ouais. Ah bah justement, tiens, magnifique transition, plat du pied, en, pro euh, ouais, en profondeur <laughs> directement. Base D de mon ami euh, Najim. Quelle note ouais, pour euh, notre ami Balerdi, les gars 8-9 aussi. Enfin, 8-9. Ouais, 7, plus, plus 7-8. 8-8. Mmh, Parce que c'est vrai que pour un joueur de champ, mettre 9, oui. euh, c'est... Ouais. Tu vois Et il, mais... a, il, a, il, a, il a quand même... Enfin, il a y aller, mais défensivement, il fait un sacré match. Et puis, Et il, il essa... prend une dimension, quoi. Ah, il prend une immense dimension. Son... Sur l'année 2024, le... sur l'année 2024, il est sur une dynamique si assez polie. C'est dernier mois à l'OM, par exemple. Franchement, de match en match, il est à chaque fois soit le meilleur joueur de l'OM, soit dans le top 3 des meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille. Défensivement, il est serein. Il est souvent, il arrive à bien défendre. Il va vite. Soit des un contre 1 que ce soit lorsqu'il s'agit de, cou de, de, de couvrir la profondeur, il est très rassurant pour son équipe. C'est vraiment le patron de la défense de l'Olympique de Marseille. Là où l'an passé, c'était plus Chancel Mbemba qui avait ce rôle-là. Et puis avec le ballon, pareil, on connaît ses qualités techniques. C'est un joueur qui va prendre l'initiative essayer de trouver des passes plein axe. Euh, parfois, même, euh, il n'hésite même pas, des fois même à quasiment rentrer dans la surface de réparation lorsqu'il y a des coups de pied arrêtés. Donc, euh, il a souvent une importance Valverdi dans les matchs sur les dernières semaines et, et là encore aujourd'hui. Il a du caractère. Il a c'est vraiment à la fois la, co la caution. Défensive et la caution technique de l'Olympique de Marseille. Donc j'aime beaucoup ce qu'il est en train de réaliser et aujourd'hui il a réalisé encore une fois un sacré match. Sur les joueurs de champ, moi j'ai bien aimé Unai sur sa première heure, mais le vrai. truc c'est que Balerdi lui il a joué 120 minutes. Donc forcément le match de Balerdi il était encore à mettre en, encore plus en valeur que celui de Unai. Mm -hmm. Même l'impact en fait de la perve de Balerdi sur le tableau d'affichage en fait elle est. Parce que. Parce qu'il y, des... qu y a des actions salvatrices là où il n'avait pas forcément plus. Ouais, et puis même Unai. en fait le, 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 la posture de l'OM dans ce match de mettre beaucoup d'énergie, d'occuper le terrain adverse repose aussi sur le fait que tu as une fiabilité défensive qui est incarnée par Balerdi. Parce que c'est pareil, tu vois, si tu as les pieds d'argile, euh, tu vois, tu t'aboies pour <coughs> toute la volonté du monde. Si tu te fais crever en contre-attaque par, par les Portugais, en fait, tu peux mettre toute l'énergie que tu veux dans le match, euh, en fait, tu vas finir par perdre. Mmh. Donc, euh, lui, il a été aussi un petit peu ce, ce, ce tuteur pour la, pour, la, pour la performance marseillaise. Et moi, je... Moi, j'ai souvent été exigeant avec Balerdi parce que j'estime qu'il fait trop d'erreurs globalement. L'idée, c'est pas de, de comment dire, de stigmatiser sa qualité défensive parce que c'est globalement plutôt un bon défenseur qui est en train de s'étoffer, mais à partir du moment où il gomme toutes les erreurs, les plus ou moins grande, avec plus ou moins d'impact sur le tableau d'affichage. Bah forcément, oui, ça devient un joueur encore plus important pour cet OM. Et puis surtout, c'est un, un défenseur qui est capable de défendre en avançant. Et c'est pour ça que je pense que Balerdi ira un peu plus haut parce que ces derniers mois, c'est ouais. les, les, les joueurs qui sont capables de défendre en avançant, ce sont des profils qui sont recherchés. Et donc typiquement, aujourd'hui, une équipe de l'OM qui a voulu aller chercher haut cette équipe euh, en, en face de Benfica, bah forcément, euh, Ballardy, il était comme un poisson dans l'eau. Exactement. Regardez ce message de, de Julien très rapidement que, que je vous partage. Euh, ça aurait presque été de la science-fiction il y a encore quelques mois. J'espère que Marseille va réussir à garder Balard. Bah, sans Coupe d'Europe ou sans grande. Il coupe lui reste combien de contrats <laughs> Je dire ça Déjà, depuis. ça, c'est une. Mais, un en grande, jeu. mais en réalité, c'est un club qui vend très peu l'OM et pas assez. Qui ne fait pas assez de bénéfices en termes de vente. Ah bah. Et là, ils ont leur plus, leur plus grosse valeur pour moi et de revente, c'est Balerdi là, là, il est au pic hein, de sa carrière marseillaise. C'est Balerdi très clairement. Et surtout, Balerdi là, il est, comme tu dis, il est au pic en termes de progression. Mm. Et je pense que pour sa progression et vu sa valeur et vu les approches qu'il aura cet été, vu, étant donné qu'on se dirige vers un OM qui ne va pas en Champions League, sauf. S'il si gagne euh, l'Europa League, la League ouais. mm. Mais sans Champions League Je pense que ça peut être Très difficile de le, de le garder euh, Je, je le vois bien là En série A moi euh, Et il ouais. y a l'Atletico aussi Qui était très intéressé Parce que l'Atletico Se recherche une défense euh, Je vais voir pour le contrat et ah, Yannick, y a, y a... Yannick, Yannick il, il dire N'oublie pas la roulette N'oublie pas le pénalty 2026 Bien sûr Il y avait des rumeurs ouais. à Un moment ouais, sur la 26, Juventus Donc, donc il lui reste une... deux ans cet été ouais. Donc euh, il faut ouais, peut-être Le vendre cet été Typiquement une équipe Comme l'AES Roma Peuvent se positionner Sur ce type de joueur, Surtout que l'AES Roma A un besoin en défense centrale Donc je le vois bien aller en Serie A. L'Acletico que... aussi. L'Acletico, oui. On besoin aussi. en défense centrale urgent Et et je dis ça parce que l'Atletico était intéressé. Déjà, ça a déjà été dit qu'ils étaient intéressés. Euh, donc, il euh, y a un marché pour Balerdi, tu l'as dit, hein, c'est un défenseur moderne qui, qui, qui peut jouer haut, qui peut jouer en avançant. Maintenant, il faut voir aussi selon la fin de saison de l'OM. Exactement, les gars, on continue les, les notes. Quelle note désormais pour euh, Pierre-Emerick Aubameyang, l'homme qui tire à bout de bras l'Olympique de Marseille depuis le début de cette saison euh, Vous l'avez trouvé comment Il est décisif sur le but yep. et sur le reste du match. Qu'est-ce qu'on en pense En fait, ce qu'il y a avec Aubameyang, c'est que déjà, il y a forcément l'exigence qui grandit parce que à force de le voir tout le temps euh, important pour cette équipe, forcément, euh, bah, on calibre aussi notre attente par rapport à ça. C'est c'est humain. Euh, moi, je trouve que, alors indépendamment du fait qu'il est impliqué une fois de plus sur le, sur, sur le but décisif, hein, parce qu'il est, il est passeur, euh, moi, j'aime le fait que il s'adapte tout le temps, enfin, il essaye très souvent de s'adapter à ce que lui demande l'équipe. C'est-à-dire qu'il ne va pas être dans une approche individualiste et, euh, on va dire, euh, étriqué de son rôle, de se dire, moi, je suis l'attaquant. Faut que je me mette devant, que j'attende les ballons. Ok, les ballons ils viennent pas. De toute façon, c'est pas de ma faute. Moi, je suis attaquant. Non. En fait, tu sens que, en fonction de ce que va demander le match et de ce que va et de ce que ce dont l'équipe va avoir besoin, il va être capable de s'adapter. Alors, de temps en temps, ça va être moins efficace. On va moins le voir. Ce soir, on le voit beaucoup moins. Mais malgré tout, même en étant moyen, il trouve le moyen. Enfin, il a de l'impact, quoi. Donc, euh, ouais. c'est pas un grand Aubameyang, <coughs> mais c'est un Obameang qui a encore une fois. Euh, marquer le match avec euh, en étant impliqué je trouve que sur le sa, sa phase elle, sa phrase pardon elle est bien même en étant moyen il, il est impactant parce que mm -hmm. c'est pas son meilleur match dans le jeu il y a quelques déchets mais à aller aussi. il y a quelques déchets voilà sur des, sur des, sur des centres sur des, sur des choses mais mais euh, le dit bien il, il est présent pour l'équipe il fait beaucoup d'appels il y cherche à il est pas c'est pas quelqu'un qui va se cacher il met, et puis surtout, bah, il y a la passe décisive du but quoi. Il, est, puis fin, il, est il est dans le collectif pour le Voilà, coup. il y a la passe décisive du but. Donc il moi, est décisif parce que c'est le but qui permet d'aller en prolongation. C'est bah simple, c'est clair. Et puis, a, et puis il y a, il y a, il y a dans, dans ce match au final il y a aussi un... Tentative de lob absolument magnifique, mmh. euh, qui finit à côté sur une très belle passe de Luis Enrique, d'ailleurs encore, euh, qui finit à côté, mais qui, qui montre qu'il est capable d'avoir une inspiration. Euh, je pense que ça va être l'atout la, numéro un au match aller contre la talentin pour leur faire mal. Mais il va Moi, falloir, de espère, se de va falloir commencer à se poser des questions en termes de gestion aussi. Mmh. Parce que là, tu vas avoir quand même un objectif qui sort un petit peu, je ne vais pas dire nulle part, mais auquel tu ne t'attendais pas sur cette fin de saison. Et je pense qu'il va y avoir un... Un débat ou tout du moins un enjeu autour de la gestion d'Aubameyang à 34 ans qui euh, bouleverse le, le, le rendement de cette équipe de l'OM. Mais là, tu arrives sur les momentum de saison où justement, peut-être que les 34 ans et la répétition des matchs, je, vois, tu ça vas va être retrouver face à un dilemme. Moi, Di -dimanche, moi, dimanche, physiquement, ça va d'être difficile à Toulouse pour l'équipe. Donc ah, je ne sais pas ouais. si. Avez... Ça, c'est clair. Mmh. Non, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il arrive à se sublimer dans les moments forts de son équipe. C'est-à-dire que quand l'OM a un moment fort qui peut durer 15-20 minutes, Aubameyang, à ce moment-là, il est au top de son niveau dans le match. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au moment où l'Olympique de Marseille était bien, et Aubameyang, il, il a su se sublimer en donnant ses passes décisives, en arrivant à se procurer des occasions, en se rendant disponible. Et puis une autre, une autre chose également qu'on oublie parfois, je, je louais notamment son attitude la semaine dernière parce que je trouve que déjà il, il, il dégage toujours des bonnes vibes, il est toujours dans une bonne attitude. Mais même pendant la prolongation, à hein, des moments où l'Olympique de Marseille souffrait un peu, j'ai trouvé qu'il faisait les efforts défensifs. Ouais, à un moment, je l'observais, voilà, je l'observais et je voyais qu'il continuait à faire vraiment des, 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 des des courses à haute intensité pour aller presser l'adversaire. Et ça aussi, c'est ce qu'on attend d'un attaquant. Surtout quand tu es à la 113e minute de jeu et que ton équipe a la besoin de toi. Et moi, c'est ça que j'aime surtout chez Obama Young sur sa saison. C'est qu'il ne se cache pas. Et que surtout, quand tu as besoin de lui, tu sais qu'il va répondre au présent. Il ne va pas se cacher. Il va aller faire les efforts défensifs. Il va faire les appels de balles. Il va, dans les moments forts, relever son équipe. Et moi, c'est ce que j'aime chez Obama Young. Et je pense que forcément, sur les derniers tours de Ligue Europa... Si Marseille Veut aller en finale, ils auront sûr et certain besoin d'un Pierre Emerick Aubameyang. Pas forcément sur 90 minutes, parce que parfois il y a des moments du match où il peut un peu disparaître. Mais comme je l'ai expliqué sur les moments forts, il sera présent au Aubameyang. Si Marseille a un moment fort de 15 minutes, Aubameyang sera là. J'en suis persuadé. Les... C'est merveilleux de le de la compète Après, il a l'expérience. Mais sur ça, fou par contre en 2024 de réussir à ressembler à Abraham Lincoln. Je trouve qu'il ressemble à Abraham Lincoln. La, la coiffure, la barbe, il y a un truc. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Je l'avais déjà dit sur Twitter. C'est un fil rouge de cette émission, c'est les sosies. Et... Ouais, je suis Il content que tu content Mais, mais, mais euh, ouais. <rire> <rire> ok les gars, et puis, euh, allez, une petite note très rapidement parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Aminarit, est-ce qu'on lui met la moyenne ce soir Non. 5. Pas la moyenne Pas la cinq. moyenne. 4,5. Mmh. 4. 4. Un poil mieux qu'à l'aller quand même. Mmh. À l'aller, je l'avais trouvé vraiment On en à l'envers. <laughs> non mais à l'envers dans tout. Il a, Là... fait du... Il a fait du contresens à l'aller. <laughs> ouais, non mais vraiment. Là, c'est pas encore ça. Parce qu'il y a toujours ce problème de, de finition des actions, de choix. De... Mais euh, je n'ai pas trouvé qu'il faisait tâche. Mmh. Voilà. Maintenant, on en attend plus de lui, clairement. Mmh. Ça, je, je, je suis tout à fait prêt à l'entendre. Je lui mets quand même en dessous la moyenne. Hein. Je lui mets 4 à Rich. Je trouve quand même que ça a été le joueur de champ le, euh, le moins bon, tout simplement. Parce que techniquement, il y a eu beaucoup de déchets. Parce que malheureusement, et ça devient répétitif avec Aminari sur les mmh. derniers mois, c'est que l'envie, la volonté, il l'aura toujours. Pareil, lui aussi, c'est un joueur qui ne se cache pas à Minarit. C'est un joueur qui demande le ballon, qui va essayer par moments de perforer le bloc adverse par sa qualité de dribble. Il va parfois tenter de, de, de trouver des lignes de passe, mais malheureusement, il n'arrive jamais à destination. Quand il part dans sa série de dribble, il, il part d'un point A, il veut arriver à un point B, il n'arrive jamais à ce point B. Pareil pour ses passes. Il essaye de trouver un point B. Malheureusement, ça passe, ça n'arrive pas au point B. Et c'est ça qui est dommageable avec Harit. Moi, je ne pense pas que ça soit un mauvais joueur. Je vois de plus en plus d'avis de personnes qui disent qu'Aminarit est un mauvais joueur, qu'il a un gros plafond de verre et qu'il n'y arrivera jamais. Non, par contre, on peut, moi, on peut, un on peut avoir un débat sur le fait que ce soit un joueur pour l'OM. Mmh. Ah, ça, oui, peut-être. Mais c'est évident. Par contre, qu'il a un ça, plafond de verre. Après, c'est un joueur. Oui, un bien bon sûr. Joueur, bien, pas, mais, plus, bien, bien, bien évidemment. De ligue 1. Mais moi, je trouve ouais. quand même qu'il a déjà montré un niveau bien meilleur, je le disais déjà la semaine dernière, mais avant sa blessure, avant la Coupe du Monde, je trouvais qu'Aminarit était l'un des meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille. Donc aujourd'hui, on ne peut pas me faire croire que ce joueur est nul. Mais il est vrai Il est vrai que sur les trois derniers mois, je le trouve vraiment, vraiment en dessous. Hmm. Et je pense qu'il y a aussi un manque de confiance. Euh, il a envie oui. de retrouver son meilleur niveau, il n'y parvient pas. Il force un peu. Je ne suis pas encore catégorique. Peut-être que dans un an, je te dirais, non, là franchement, Aminarit, ça faux. fait un an le frérot, il arrive plus du tout à avancer. Euh, non, stop, stop. Là, je pense, je crois encore à ce qu'Arit peut apporter à l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il peut encore apporter ce qu'il pouvait apporter avant sa blessure. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Il va falloir qu'il continue à travailler, qu'il continue à bosser et qu'il essaye de retrouver sa confiance. Parce que pour le moment, je pense que ça joue énormément. Exactement. Voilà, les gars, en tout cas pour l'évaluation, je propose qu'on termine en beauté, en se projetant. C'est une soirée de, de rêve, une semaine spéciale pour le football français, la demi-finale de Ligue Europa eh bien, opposera l'Olympique de Marseille à l'Atalanta. Bergam, on peut même vous proposer d'ores et déjà les, les cotes à chaud. Marseille à 2,50, la Talenta à 2,55 et le match nul vrai, hein. à 3,30. Ça, c'est bien sûr pour le match aller qui aura lieu du côté okay. du Vélodrome. Est-ce que vous êtes étonné justement par l'avis des marchés et le fait que l'OM, la cote de l'OM soit un petit peu en dessous et en deçà de celle de, de la Talenta Non, moi, je ne suis pas du tout surpris. Euh, déjà parce que faut voir quelle euh, image a l'OM en Europe. C'est quand même pas la même que nous, on a euh, au niveau hexagonal. Je ne je, voilà, je, je dis pas ça euh, de manière à rabaisser ou quoi que ce soit, mais la Talenta, euh, a quand même deux, trois références euh, sur l'histoire récente en Coupe d'Europe. Ils ont un, un entraîneur qui est là depuis longtemps, qui a une méthode, qui a une façon de faire jouer son équipe. Tu as des joueurs qui, dans la qualité individuelle, pour beaucoup, me semblent au-dessus. Donc, euh, si tu mets bout à bout tous ces paramètres-là, euh, finalement, tu te rends compte que euh, bah, les Italiens euh, sont favoris. Donc, euh, à l'OM, maintenant, de, de casser cette, euh, cette idée-là, et ils auront des arguments pour le faire, euh, mais, mais oui, Atalanta favori, qui vient de sortir quand même Liverpool. Mmh. Ouais. Clairement. Enfin, je veux dire, euh, à un moment, il faut aussi voir les choses euh, de manière euh, rationnelle. Ça fait un très gros match à Liverpool. C'est ah, le match allé. Liverpool s'est raté, hein, il faut le dire défensivement, ah, mais c'est pas pas un 3-0 volé. Il y a eu beaucoup d'occasions d'aller sur les transitions. Je pense que c'est une équipe qui à l'extérieur avec son système peut faire très très mal si l'OM n'est pas propre techniquement dans ses sorties de balles peut faire très très mal sur les transitions. Il y a Decathélaire qui retrouve des couleurs là-bas, il y a Skamaka qui est en pleine forme. Euh, donc il y a des il y a pas, la, pas sa... mmh. dans la défense à 3. Il y a pas Salic qu'on connaît, euh, Kolasinac même si je crois pas, je pense pas qu'il sera titulaire. En tout cas il n'était pas sur les, les mmh. matchs de Liverpool là. Donc, euh, oui, on le sait, hein, on connaît. Est... Un petit Scalvini qui fait partie des défenseurs très italiens très, très. Ouais. Il y a toujours, Jim, bien Fort potentiel. Il y a toujours Jim City, Jim City, City bien qui sûr. est passé par Metz. Mm -hmm. Mais on connaît le système Gasparini parce qu'il nous a émerveillé en Ligue des Champions aussi. Donc, ça va être des pistons très, très hauts, ça va être une équipe qui va aller, qui va aller essayer de, de, les, de les projeter. Je pense, qu aussi, je trouve, je pense que Gasset, euh, sur l'aspect tactique, est capable de préparer quelque chose de solide pour contrer Moi, le, ce qui est prévu parce que sur les matchs de, de Coupe d'Europe, de manière générale. À domicile, hein, j'entends. Ça a toujours été l'équipe qui a été capable de vouloir aller chercher haut et de vouloir bloquer les choses. Avec, quand tu vas chercher haut, il y a un rapport de force, de duel aussi qui s'impose. Et au Vélodrome, je pense que tu es plus capable de gagner ces duels et d'être porté par le public. Euh, alors évidemment, le fait de jouer le match aller n'est pas un avantage, mais il va falloir pour le, il l'OM faire une différence au match aller parce qu'on se souvient que 4-0, au final, ça avait été même pas suffisant pour être serein au retour à Villarreal. Donc euh, L'Atalanta est favori, mais euh, moi je, je l'ai toujours dit en Europa League. En Europa League, le statut de favori, il est beaucoup plus relatif, encore plus relatif qu'en Champions League. Parce que chaque saison en Europa League, on se dit là il y a ce gros nom, là il y a ce gros nom, eux ils veulent au bout. Et bien bah, je peux te promettre que chaque saison, ce n'est pas, ou quasiment chaque saison, ce n'est pas lui qui va au bout. Liverpool s'est fait sortir par l'Atalanta, on les voyait tous aller au bout de leur partie de tableau. Euh, Barcelone. Après bon, Maravent, bon là, les équipes qu'on voit aller au bout, elles sont plutôt de l'autre côté. Barcelone, <laughs> comment ça Bah, euh, c'est bah, plutôt l'autre demi-finale où tu vois l'équipe. Euh, les... mmh. Les deux ouais. favoris non, sont mais, de l'autre côté. Non mais les deux favoris c'était Liverpool et Leverkusen. Non mais je veux moi je dire te que parle là sur les favoris. quatre équipes qui restent. Oui d'accord ok ok. Tu mais vois. je veux dire sur la partie de tableau mm. le favori tu me dis Liverpool ils sont favoris avec Leverkusen auparavant mm. bah oui c'est ça. Mais au final auparavant il y a eu Barcelone qui s'était fait sortir par Francfort. Enfin chaque saison en tout cas. Ou Arsenal l'année dernière. Arsenal l'année dernière qui se fait sortir encore plus tôt le Sporting. Contre le Sporting donc euh, c'est une compétition mm. où euh, tout comme la Conférence League où l'État de doigts malheureusement ne l'a pas fait de sortir Aston Villa où il faut pas s'arrêter au nom au nom des joueurs ou ou c'est sur ces matchs du jeudi soir, il y a souvent quelque chose à faire, il y a souvent des différences à faire. Et donc mmh. l'OM aura un coup à jouer, mais l'OM ne sera pas favori. Moi, je mets l'Atalanta clairement favori. Pour moi, c'est du 65-35. Mmh. Alors, euh, ça ne veut pas dire que l'OM n'a pas ses chances. Bien sûr. Euh, L'OM peut évidemment se qualifier. Mais de ce que je vois de l'OM cette saison et de ce que j'ai pu voir. De manière assez infime, de la j'avais commenté notamment le match aller contre le Sporting. Il y avait eu un but partout, mais l'Atalanta Bergame méritait clairement de, se de, de de gagner. Finalement, ils avaient gagné le match retour des été à Très bons à l'extérieur déjà, exactement. Comme à Liverpool. C'est ça. Ils avaient déjà été très bons à l'extérieur sur la pelouse de Lisbonne où ils avaient touché deux ou trois fois le poteau. lookman notamment, Coupe Meiners également au milieu de terrain. Ils ont ils ont une bonne équipe. Ils ont une bonne équipe. On, co on connaît également les principes de jeu de Gasperini, qui pareil est un entraîneur qui aime presser assez haut l'équipe, qui a un jeu assez vertical. Je pense que c'est typiquement le genre d'équipe qui peut poser beaucoup de problèmes à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Donc, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Moi, pour moi, la Talanta est favori, mais de toute manière, on le savait depuis longtemps. Depuis le tirage au sort, on savait que si l'OM passait, on savait que contre Benfica ça allait être assez équilibré. Même si je mettais peut-être Benfica légèrement favori, c'était plus du 55-45. Et encore avec le retour au Vélodrome voilà. Et encore avec effectivement le, le, le retour au Vélodrome Mais on savait que quoi qu'il arrive, en demi. Contre Liverpool ou l'Atalanta, l'OM n'allait pas être favori. Alors évidemment, contre Liverpool, ça aurait été encore pire. Mais contre l'Atalanta, voilà, c'est pas, pas, pas une équipe. Est oui, pas une Liverpool a eu un grand field, il faut gagner ta... 8-0 pour être sûr. Voilà, l'Atalanta, c'est une équipe qui en plus a une, a une petite expérience européenne également sur les dernières années. Moi, voilà, je, je vois plutôt l'Atalanta. Maintenant, J'espère que l'OM va réussir à nous surprendre. Puis tu sais, l'OM, j'ai vraiment la sensation aussi qu'ils sont meilleurs dos au mur. Donc, euh, faudra voir. Peut-être qu'ils vont avoir des difficultés à l'aller et qu'au retour, euh, ils vont devoir jouer leur survie et que euh, peut-être qu'ils vont encore nous, nous, euh, nous offrir un match fou et qu'ils vont réussir à se qualifier. C'est tout ce que je leur souhaite. Mais pour le moment, jours. à l'instant T, ouais, je vois plutôt la de Tambergam. C'est dans 15 jours. Hein, Exactement. La grande question qu'on nous pose dans le chat est-ce qu'il y aura un retour de Klose et Sarr qui sont actuellement en phase de je de ne reprise. suis pas docteur de. Quand à merlin, c'est mort ça, saison Non, non, non. Deux trois semaines. Enfin, euh, À partir de l'IS, c'est deux trois semaines. Il y aura une question de rythme, bien sûr, pour la reprise de, de ces joueurs-là. On sera là, bien sûr, dans le WFC pour commenter tout ça. On vous a présenté les cotes. On a avec une soirée particulière, une semaine particulière aussi également pour le football français. J'étais très content, les gars, de passer cette soirée avec vous. C'est un plaisir. Tout à l'heure, quelqu'un disait, c'est une composition de C4 ce soir. Moi. C'était très dur. Très, très ouais, C'est un peu dur. C'est un peu trouve, dur. Du un Écoute, il y avait moins de très moins oui. de notoriété que les plateaux habituels, mais par contre beaucoup existe. plus de pertinence. Oui, je pense aussi <laughs> qu'on qu les, qu les, qu les gagne, les C4 avant de mépriser et les Exactement. C'était là-dessus qu'il fallait filer. <laughs> Merci ouais, les gars. Il, il nous a énervé Tiziani Bonne nuit à tous. Tu tous Tu vois, ça s'est pas ressenti Exactement. Pas du tout. Les gens pensent que tu rigoles. Demain, n'oubliez pas bien sûr la quotidienne du WFC qui revient bien sûr à 13 h et il s'agira de parler de l'élimination bien sûr du Losc. On en parlera. Rendez-vous demain. Bonne nuit. Les gars, ciao, énorme. bonne nuit